Bonjour à tous. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, vous allez passer un test pratique. On vous posera quelques questions et vous devrez montrer de manière pratique comment vous y répondrez sur votre feuille calque sur votre ordinateur. Connaissons d'abord les règles de l'épreuve pratique. Le temps imparti pour cette épreuve est de 45 minutes. Après chaque question qui vous est posée, vous devez montrer comment vous allez y répondre. Allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier de calque. Commençons maintenant par le test. Préparez maintenant une feuille de notes dans laquelle il doit y avoir 5 étudiants et des notes pour 5 matières pour chaque d'entre eux. Ensuite, créez une colonne intitulée « Total des notes » et montrez comment vous allez obtenir le total des notes de chaque élève dans cette colonne. Regardez la vidéo pour trouver la bonne réponse et faites correspondre vos réponses. Apprenons comment utiliser la formule somme dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez total. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez « Somme ». Puis, insérez la parenthèse « C ». Puis, sélectionnez une plage des valeurs numériques que vous voulez ajouter et dont vous voulez faire le total. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le total des valeurs numériques sélectionnées, comme vous pouvez voir en vidéo. Pour obtenir le total des autres étudiants suivants, cliquez sur le petit signe plus de cellule de total de Sylvie et faites-le glisser vers le bas, comme montré en vidéo. Voilà, le total des autres étudiants est obtenu automatiquement, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule somme dans une feuille de spreadsheet. Montrez maintenant comment vous pouvez mettre tous les noms de la colonne « Nom » en majuscule. Faites vérifier votre réponse par votre professeur. Si vous avez des doutes à ce sujet, consultez la vidéo et faites-le correctement. Regardons cette vidéo pour voir comment changer le texte en majuscule dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le contenu que vous voulez changer en majuscule. Puis, cliquez sur le menu Format. Et amenez le pointeur sur l'option Modifier la case et cliquez sur l'option Majuscule. Voilà, le texte sélectionné est changé en majuscule, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer le texte en majuscule dans une feuille de spreadsheet. Montrez maintenant
Comment vous allez créer un graphique pour les données de votre tableau? Regardez la vidéo pour trouver la réponse correcte et faites correspondre votre réponse avec celle-ci. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option diagramme dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le tableau entier. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Diagramme. Une boîte d'assistant de diagramme apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner les critères comme vous voulez présenter les données dans une forme de diagramme. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de diagramme dans la boîte de choisissez un type de diagramme. Vous pouvez aussi voir son aperçu en même temps. Ensuite, cliquez sur la troisième étape dans la boîte d'étapes. Ici, vous pouvez voir le contenu qui contient votre tableau. Il s'affichera comment le contenu de tableau s'affichera dans une forme diagramme. Puis, cliquez sur le bouton Terminer. Voilà, le contenu de tableau aussi s'affiche maintenant dans une forme de diagramme comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez modifier la taille de diagramme selon votre choix. Maintenant, les données de tableau s'affichent dans une forme de diagramme. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option diagramme dans une feuille de spreadsheet. Donnez maintenant à chaque élève une note qui doit être soit un A, soit un B. Faites vérifier cette note par votre professeur. Regardez la vidéo pour trouver la bonne réponse et correspondez à votre réponse. Apprenons comment utiliser la formule si et donner les conditions dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez grade comme la rubrique. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez si. Ensuite, insérez la parenthèse c. Ensuite, sélectionnez une valeur. Ensuite, insérez le signe plus grand que. Puis, tapez une autre valeur. Ensuite, insérez un demi-colon. Et tapez le résultat comme A entre guillemets. Puis, insérez une autre demi-colonne et tapez un autre résultat comme B entre guillemets et fermez la parenthèse. Ici, cette équitation indique que si le total d'un étudiant sera grand que 250, le résultat sera A. Sinon, le résultat sera B. Ici, vous pouvez aussi insérer le signe égal qui indique que si le total d'un étudiant sera égal ou
plus que 250, le résultat sera A, sinon le résultat sera B. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Un message apparaîtra. Ici, cliquez sur Oui. Voilà, selon la condition que nous avons donnée, le résultat est B, comme le total de Sylvie est 206, qui est moins que 250. Pour avoir le résultat des autres étudiants automatiquement, cliquez sur le petit signe plus de cellule B et faites-le glisser vers le bas. Voilà, nous avons obtenu le grade des autres étudiants automatiquement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule C dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, dans une nouvelle cellule de votre feuille, tapez connect@computershiksha.org et, à l'aide d'une formule, indiquez le numéro de l'endroit où arroba apparaît. Montrez votre réponse à votre professeur. Si vous avez encore des doutes, regardez la vidéo et comparez votre réponse. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule trouve dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, insérez le signe égal, puis tapez trouve. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez le symbole arrobas entre guillemets. Cela indique que nous voulons trouver arrobas, puis insérer un demi-colonne et sélectionner la cellule dans laquelle vous voulez trouver arrobas. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà. Ça donne le résultat 8 qui indique que arrobas dans la cellule sélectionnée commence comme le 8e caractère. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule trouve dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, utilisez-vous la formule recherche V pour prendre toutes les données de la colonne 2 de votre feuille et montrez comment vous allez les afficher dans la feuille 2. Faites vérifier votre réponse par votre professeur. Faites correspondre votre réponse à ce qui est montré dans la vidéo. Apprenons comment utiliser la formule recherche V dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, ouvrez la feuille où vous voulez insérer les données. Ensuite, ouvrez la feuille d'où vous voulez copier les données. Maintenant, nous ouvrirons la deuxième feuille. Ensuite, cliquez dans la première cellule de colonne B et insérez le signe égal. Puis, tapez Recherche V. Ensuite, insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la cellule Nom. Ensuite, insérez un demi-colonne. Puis, ouvrez la première feuille et sélectionnez les données en partant de la cellule que vous avez sélectionnée dans une autre feuille. Vous pouvez voir la formule de recherche V. Ici, nous insérons le critère de recherche matrice indice
et d'autres de tri. Vous pouvez aussi voir la formule dans la barre de formule. Et vous pouvez le modifier en même temps. Ici, le numéro 2 signifie le numéro de colonne. Et la valeur 0 indique la valeur exacte de données que nous voulons rechercher. Ensuite, ouvrez la deuxième feuille. Et vous voyez que la rubrique dans colonne B est automatiquement insérée si vous voulez insérer les données concernées aux lignes suivantes. Cliquez sur le petit signe plus de cellule numéro de candidat et faites-le glisser vers le bas. Maintenant, nous ne pouvons voir aucune donnée parce que il n'y a pas de nom ici. Alors, cliquez à nouveau sur la première feuille et sélectionnez et copiez les noms. Ensuite, ouvrez la deuxième feuille et collez les mêmes noms. Maintenant, les données se présentent selon les noms mentionnés, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, pour insérer les données dans la prochaine colonne, cliquez sur la cellule numéro de candidat et cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le droit. La rubrique Science est automatiquement insérée. Puis, cliquez sur la cellule Science et cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le droit. Voilà, une autre rubrique Mathématiques est insérée dans la prochaine colonne, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule Recherche V pour rechercher les données verticalement d'une feuille à l'autre feuille dans Spreadsheet. Utilisez maintenant la formule Recherche H pour prendre l'intégralité de données de la deuxième ligne de la première feuille et montrer comment vous allez les afficher sur la troisième feuille. Faites ensuite vérifier votre travail par votre professeur. Si vous avez encore des doutes, regardez la vidéo et comparez vos réponses. Apprenons comment utiliser la formule Recherche H dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez sur la feuille 3. Ici, nous allons insérer les données de l'autre feuille. Pour cela, cliquez sur la première feuille. Ensuite, sélectionnez les données. Puis, copiez les mêmes données et ouvrez la troisième feuille. Ensuite, collez les données que nous avons copiées de la première feuille. Puis, sélectionnez la deuxième cellule de la première colonne. Ensuite, insérez le signe égal et tapez Recherche H. Puis, insérez une parenthèse C et insérez le critère de recherche matrice indice et trier. Pour cela, sélectionnez la cellule nom et insérez un demi-colonne. Ensuite, cliquez sur la première feuille et sélectionnez les données en partant de la cellule que vous avez sélectionnée dans une autre feuille. Ici, nous avons sélectionné les données qui commencent à cellule nom et qui terminent jusqu'à les données de mature. Ensuite, ouvrez la troisième feuille. Vous voyez que nos cellules est automatiquement insérée selon la formule que nous avons appliquée. Si vous voulez insérer les données de Sylvie
Vous devez cliquer sur le petit signe plus de la cellule Sylvie et faites-le glisser vers le droit. Voilà, les données de Sylvie sont automatiquement insérées, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, si vous voulez insérer le nom après Sylvie automatiquement, cliquez sur la cellule Sylvie et cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas. Ensuite, pour insérer les données de marque automatiquement, cliquez sur le petit signe plus de cellule marque et faites-le glisser vers le droit, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur la première feuille et vous voyez que les données de Marc et Sylvie sont même dans les deux feuilles. Vous pouvez le vérifier en les ouvrant en même temps. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule Recherche H dans une feuille de spreadsheet. Montrez ensuite comment vous allez utiliser le formatage conditionnel et montrez-la à votre professeur. Regardez la vidéo et vérifiez votre réponse. Apprenons à l'aide de cette vidéo comment utiliser l'option formatage conditionnel dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la feuille dans laquelle vous voulez travailler. Ensuite, sélectionnez le tableau entier comme présenté en vidéo. Puis, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de condition 1 et appliquez une condition comme présenté en vidéo. Puis, tapez une valeur dans la boîte à saisie. Ensuite, cliquez sur l'option Nouveau style et cliquez sur l'onglet Effet de caractère. Puis, sélectionnez la couleur de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, cochez Condition 2 et appliquez une condition en cliquant sur le menu déroulant. Puis, tapez une valeur 75 dans la boîte à saisie et cliquez sur l'option Nouveau style. Puis, cliquez sur l'onglet Effet de caractère et sélectionnez la couleur de police. Puis, cliquez sur OK. Puis, cochez Condition 3 et gardez les conditions comme c'est déjà présenté. Puis, tapez la valeur 75 dans la boîte à saisie. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le tableau et ses contenus sont formatés selon les conditions que nous avons appliquées, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option formatage conditionnel dans une feuille de spreadsheet. Ensuite, changez le style de police de la ligne en tête du tableau qui contient le nom et les sujets. Mettez-les également en gras. Montrez-le à votre professeur. Et regardez la vidéo pour connaître la réponse correcte. Apprenons comment formater l'entête de ligne dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez en tête de colonne et de ligne, comme montré en vidéo. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Nom de police
et sélectionnez un nom de votre choix. Voilà, le nom de police est changé, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons formater l'entête de colonnes et de lignes dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, montrez comment vous allez séparer l'adresse email que vous avez écrite et montrez la réponse à votre professeur. Regardez la vidéo pour connaître la bonne réponse. Apprenons comment utiliser l'option texte en colonne dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Ensuite, cliquez sur le menu Données et cliquez sur l'option Texte en colonne. Une boîte de texte en colonne apparaîtra. Ici, vous pouvez voir que l'option Autre est déjà cochée. Ensuite, tapez arroba dans la boîte à saisie. Puis, insérez un point après arroba. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le texte connectcomputershiksha.org sont séparés en différentes colonnes, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option texte en colonne dans une feuille de spreadsheet. Enregistrez ensuite votre fichier au format PDF. Enregistrez ensuite votre fichier et montrez-le à votre professeur. Dans la classe suivante, vous passerez tout un test écrit qui sera mené par Computer Shiksha. Si un élève ne se présente pas à ce test, il sera considéré comme ayant échoué dans ce module et ne pourra pas passer au module suivant. Dans ce test, vous aurez 30 questions avec des réponses à choix multiples. Alors, bonne journée et à bientôt!